Ultra gaming, ultra gaming, ultra gaming, ultra gaming avec Eugenix et Qtnix. Oh yeah! Salut YouTubeurs, YouTubeurs, comment allez-vous? Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de Ultra gaming, mais voici la belle Qtnix et. Moi je suis Qtnix. Donc à quoi on joue aujourd'hui? On joue à Alien Omnamed. Elle est une minute, ouais. Donc, ouais, c'est un bon petit jeu. On vous a fait la démonstration. Oui. On vous dit, allons tout de suite à... Saison 2, épisode 20, tout le monde. Ouais. Fait qu'allons suivre l'épisode 20. C'est parti. Go. Ultra Gaming, tout le monde. Salut, YouTubeurs, YouTubers. Nous voici pour un nouvel épisode de Ultra Gaming. Et oui, saison 2, épisode 20, Alien... Omnamed. Le développeur, c'est de Behemoth, GBA et Gizmondo. Tuna. Éditeur en Angleterre, c'est 03 Entertainment. En Europe, c'est le Zoo Digital. Réalisateur, c'est fait par Dan Paladin, Tom Flop. Début du projet, avril 2003. La date de sortie du jeu, il est sorti le 21 novembre 2004. La franchise, c'est Alien Omnamed. Le genre, c'est un run and gun. Mode de jeu, ben c'est de 1 à 2 joueurs, évidemment. Les plateformes sur lesquelles il a été réalisé, PC Flash, Game Boy Advance, GameCube, Gizmondo, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360. XLA, iOS et mobile téléphone. Les téléphones mobiles. Le moteur, c'est Abbott Flash. L'évaluation, ben, c'est PG12. Voilà ce que j'ai à dire sur le jeu. Alien Omnamed est un jeu vidéo d'action de type run and gun développé par The Behemoth, sorti sur GameCube et PlayStation. En 2004 sur Xbox, en 2005 sur Game Boy Advance, et sur Game Boy Advance est sorti en 2006. Les joueurs dirigent un personnage à un alien jaune dont il peut choisir le chapeau qui peut tirer face à lui ou en l'air. Dans le jeu de run and gun, il peut aussi sauter et s'il atterrit sur un ennemi, le manger. Il peut creuser une galerie sous terre et surprendre les ennemis. Des boss apparaissant régulièrement sur son parcours. On le compare à Beautiful Joe pour son côté très arcade. Il est possible de jouer à deux simultanément. Le jeu est ponctué de séquences en voiture ou en vaisseau spatial. Il y a des mini-jeux. Plusieurs mini-jeux sont disponibles en plus des jeux principaux. Ils se débloquent au fur et à mesure de l'avancée du joueur. L'histoire, la première version d'Alien Omnamed apparaissant en août 2002 sur le site de Newgrounds en Flash. On le reconnaît comme prototype du jeu édité par The Behemoth. La version jouable en ligne est programmée par Tom Flump, qui possède Newgrounds, tandis que Dan Paladin, dont le pseudonyme sur Internet est Sidge, réalise les graphiques. Le jeu met en scène un petit extraterrestre jaune dont l'engin a été abattu par le FBI, qui s'est écrasé sur Terre et qui doit retrouver son vaisseau, volé par le FBI. Le gameplay requiert des réflexes rapides et utilise une simple scrolling horizontale. Le joueur contrôle l'extraterrestre et doit se battre contre le FBI et ses créations. Le scrolling horizontal tel que celui utilisé dans l'Alien Omnamed a été rendu célèbre par la série de Metal Slug, jeu auquel il est souvent comparé par les fans et les critiques. Bien qu'un seul stage de la version en ligne
fut réalisé, il est devenu très célèbre au sein de la communauté des joueurs avec plus de 11 millions de téléchargements sur le seul site de Newgrounds. Plus tard dans l'année, John Baez a contacté Paladin en tant que fan d'Alien Hominine. Attendez un instant. Il a suggéré que Dan Paladin et Tom Flump de faire une version console de jeu. Baez a même proposé de produire le jeu. Ils ont accepté et ont formé de Behemoth. La version Xbox du jeu n'est pas compatible sur Xbox 360. Toutefois, une version haute définition pour cette console est sortie sur Xbox Live Arcade en février 2007. Cette version HD fut développée par The Behemoth. Le jeu a obtenu 3 récompenses à l'indépendant Game Festival 2005, le prix de l'innovation en art visuel, le prix de l'excellence technique et le prix du public. Okay. Je vous passe maintenant à Kujinix pour que lui vous dise ce qu'il en pense. Donc, oh yeah tout le monde, c'est Kujinix. Je suis le Kujinix et je vous parle d'Alien Hominide. Premièrement, je voudrais remercier mon ami, ça sent bon ici, qui est également sur YouTube, de m'avoir parlé de son jeu qu'il avait et qu'il aimait bien sur son GameCube. Donc, salut, ça sent bon ici. Puis, je te l'avais promis qu'on ferait une vidéo là-dessus. Je sais pas si tu t'en souviens, mais en tout cas, je sais même pas si tu vas écouter la vidéo, mais merci à cet ami-là. Ouais, si tu trouves ça cool, ça me fait penser aux jeux avec qui ont sorti sur Xbox One puis PS4, je pense, Xbox One ou PC. En tout cas, c'est deux que tasse à café, puis il lance du café à la place. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Alien Hominide. Puis pour ce qui est du jeu, il y a des bouts assez dégueulasses, comme contre les boss, ou des fois on tranche les hommes du FBI en jarret. Ils te coupent la tête, et t'entends des petits sons, genre comme dans Prodigy. Là, puis ils coupent la tête, ou bien ils mangent. Là, c'est quand même cool. C'est juste plus tard dans le jeu que j'ai appris qu'on pouvait courir. Donc on peut courir dans le but de s'éloigner vite des attaques, tout ça. Donc on peut appuyer sur un bouton puis courir vers la gauche, ou appuyer sur le bouton droite puis on va se déplacer vers la droite en courant. Donc moi j'ai bien aimé ce jeu là quand même. On a joué un peu, on s'est rendu au deuxième monde. Toi qu'est-ce que t'en penses, Kutin? Moi j'aime bien ce jeu, un peu violent par contre, que je ne suggérerais pas aux enfants de jouer. Mais c'est un excellent jeu. Moi, j'ai bien aimé participer avec Kujinix à ce jeu qui m'a fait découvrir. J'ai sacré un petit peu parce que il y a des bouts qui sont vraiment pas évidents. Là. J'ai fait les niveaux, le niveau du vaisseau spatial dans l'espace, là, tout seul. J'ai aidé Kujinix sur ce tableau-là parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qu'il y avait à faire. Ouais, ben moi, il fallait contrôler le vaisseau, puis je voulais prendre une pause, ça que je t'ai regardé le faire, puis on s'est rendu jusqu'au deuxième monde. Il y a 3 mondes avec 5 REA. Ouais, 3 REA, c'est les 3 mondes avec 5 niveaux par monde, puis j'ai trouvé comme vraiment cool le jeu, là. J'ai vraiment l'intention de te rejouer prochainement pour qu'on continue à voir c'est quoi qu'il y a d'autre dans le jeu, là. Mais je trouvais que c'est un excellent candidat pour les vidéos d'Ultra Gaming avec Kutonix. Puis moi, ben Kujinix, j'ai dit on va faire ça tranquillement, ça a pris du temps parce que on est pas mal occupé tout ça. Donc ouais, c'était ça que j'avais à vous dire pour Alien Hominid. Je le suggère. Si vous êtes capable de trouver une version GameCube, ça c'est la version qu'on a jouée là. Sur Dolphin, donc ça allait bien quand même. Là, comme vous voyez, où est-ce qu'on est rendu? C'est en Russie. Où est-ce que le vaisseau s'est effondré? Là, on se bat avec les agents de la Russie pour retrouver notre vaisseau, évidemment, qu'ils nous ont pris encore une fois. Ouais, l'histoire est quand même bien faite et les animations en flash. Pour la GameCube, ça ne devait pas être quelque chose de très compliqué à faire vu que c'était vraiment une console avec beaucoup de potentiel, cette console-là de GameCube. Je pense même qu'ils n'ont même pas réussi à l'exploiter à 100%. Puis en plus, la Wii c'est le même moteur que sur la Wii que sur la GameCube, mais ça, on pourrait s'en reparler durant d'autres vidéos là, pour ce qui concerne la GameCube puis la Wii.
Donc, ouais, j'aurais pas mal de choses à dire. Je pourrais peut-être checker ou faire une vidéo spéciale. Effectivement, Kujinix, moi, ce que j'ai d'autre à dire, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est sûr que ça nous prendrait plus de temps à le finir parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais on s'est quand même rendu au deuxième monde niveau 1. Mais il y a 3 mondes. Fait qu'on a quand même avancé, là, puis on va continuer d'avancer. Peut-être qu'on fera une autre vidéo sur ça, du troisième monde. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée, comme que Genix dit. Je ferme pas la porte. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que go, trouvez-vous un partenaire et puis jouez. Je vous le conseille fortement. J'ai bien aimé ce jeu-là, comme je disais. Puis en plus, il y a de l'action en masse, là. Mais il faut qu'on pitonne vite, là. Il faut qu'on soit vite sa gâchette, comme on dit. Vite, tu peux aussi charger ton attaque. Ouais, tu peux aussi charger ton attaque, ce que j'ai oublié de dire. Ouais, ça aide à faire plus de dommages. Ouais. Avec ce boss-là, on a eu un peu de difficulté parce qu'il nous coupe en deux par moment. Comme vous voyez là. Mais c'est encore Kujinis qui a réussi à le battre. Je le regardais puis je donnais des trucs. Attention, attention l'avion. Attention, je lui dis, il va te couper en deux, là, tasse-toi, là. Ouais, fait que c'est ça. On a eu bien du fun à jouer à ce petit jeu-là pour vous. Fait que regardez notre épisode, puis ayez plusieurs idées en tête, puis regardez-nous surtout. Puis partagez, aimez, mettez un j'aime, abonnez-vous. Ouais, merci tout le monde. Donc on s'en va à la finale avec l'outro de cet super épisode d'Ultra Gaming qu'on est bien content de vous présenter. Donc tout le monde, continuez à nous suivre, merci, puis partagez pour ceux qui êtes motivés. Donc un gros merci, on se voit pour l'outro. Ok, oh yeah. Ok, ok. Ok, bye, je vous aime, je vous embrasse tout le monde, puis on se voit à l'outro. Peace. Voici ce qu'on pensait de Alien Hominane, saison 2, épisode 20. Ouais, c'était un jeu quand même cool, moi j'ai goût de rejouer bientôt. Oui, moi aussi. On s'est rendu le plus loin possible qu'on pouvait, là. C'est sûr qu'il y a d'autres tableaux à faire, puis qu'on va continuer, là. Mais c'est ce qu'on pouvait vous montrer pour l'instant, parce que c'est un jeu quand même assez dur. Moi, j'ai eu bien du plaisir à jouer, puis j'ai hâte de voir cet épisode-là de Ultra Gaming avec Kujinix et... Kujinix! Oh yeah! Oh yeah, tout le monde! Puis, abonnez-vous, mettez un j'aime. Partagez! Surtout, partagez, abonnez-vous, mettez un j'aime. On vous attend sur sur YouTube. C'est le prochain épisode. Et on va vous faire un très prochain épisode très bientôt, on vous le promet. Ça ne sera pas aussi long que ça. Ok. Ok, d'où? Fait que là-dessus, on vous laisse. Peace. Bisous à tout le monde. À toutes les YouTubeurs, YouTubers. Et on se voit à la prochaine. Bye, ciao. Say, Kujinix, hey. Kujinix. Yeah. Bienvenue.